Monsieur Chaban-Delmas, la situation actuelle est bizarre. Votre principal adversaire pour le premier tour de l'élection présidentielle est Monsieur Valéry Giscard d'Estaing. Il a été votre ministre des Finances, si je me souviens bien, au moment où vous jetiez les bases de ce que vous appelez la nouvelle société. Alors ma question sera simple. Si c'était un conservateur, comment fait-il que vous ne vous en soyez pas aperçu à l'époque? Et s'il a été un de vos collaborateurs, comment est-il devenu un conservateur? Monsieur Suffer, à l'époque, comme vous dites, j'étais Premier ministre. Et Monsieur Giscard d'Estaing était mon ministre de l'économie et des finances. Et c'est moi qui tranchais. Et il a très correctement tenu compte de mes décisions. C'est pas une question d'homme. En réalité, il se passe depuis une quinzaine de jours en France un phénomène très important et très grave. Monsieur Giscard d'Estaing est en train de ressusciter la droite. Alors elle est badigeonnée, elle est ripollinée, elle a l'air d'avoir l'âge de son champion, alors qu'en réalité elle a l'âge de son ministère. Et alors il se passe ceci, c'est qu'elle se dresse en forteresse d'un côté, d'où un antagonisme. Et c'est là qu'est le danger. Le général de Gaulle, avec son génie, avait absorbé cette droite. Enfin, disons qu'il l'avait neutralisée. Et voilà que M. Giscard d'Estaing la ramène en pullover. J'ai lu hier l'affrontement entre M. Giscard d'Estaing et François Mitterrand. C'était vraiment l'opposition des classes, l'une contre l'autre. Eh bien, j'ai eu peur. Et c'est précisément ce que le gaullisme a su éviter. Et c'est ce qu'il faut, coûte que coûte, éviter. Et c'est pour cela que je suis candidat. Ouais, mais si vous arrivez avant Giscard d'Estaing au premier tour, vous allez vous trouver exactement dans la même position que lui aujourd'hui, c'est-à-dire classe contre classe. Pas du tout, Monsieur Suffert, pas du tout. On dit, le gaullisme n'intéresse plus personne. Ou encore on dit, le gaullisme a été confisqué par l'État UDR. Quelle plaisanterie. Qu'est-ce que c'est que le gaullisme? C'est un effort de rassemblement national pour lutter contre le danger dominant. Tenez, en 1940, le danger dominant, c'était l'occupant. En 1958, le danger dominant, c'était l'État qui se défaisait, comme la France. Dans les deux cas, qu'est-ce qu'a fait de Gaulle? Il a montré le péril. Et puis, eh bien, il a foncé sur l'obstacle. Et aujourd'hui, quel est le danger dominant? C'est précisément la séparation de la France en deux camps hostiles. Moi aussi, j'aurai à rencontrer François Mitterrand. Mais ce sera tout à fait différent de sa rencontre avec M. Giscard d'Estaing. De l'autre côté de la barrière artificielle qui nous sépare des socialistes, il y a des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui savent très bien que le gaullisme n'a jamais été contre le peuple, au contraire, que le gaullisme n'a jamais été pour qu'il y ait d'un côté les riches, de l'autre les oubliés, d'un côté les nantis, de l'autre les pauvres, d'un côté les travailleurs et de l'autre les patrons. C'est tout le contraire. Alors que si M. Giscard d'Estaing est en lice, ce sera l'affrontement. Alors que si c'est moi, ce sera tout différent. D'ailleurs, les syndicats le savent très bien. Rappelez-vous mes 3 ans de gouvernement. C'était juste un an après mai 1968
Ou soit dit en passant, on avait déjà vu M. Mitterrand débordé par l'extrême gauche, où tout était très instable. Et que s'est-il passé? Il s'est passé que j'ai établi la concertation, la politique contractuelle. Et alors, on a vu le nombre des journées de grève tomber en flèche. Et ça a été 3 ans de paix sociale. Voilà, Monsieur Suffert, voilà la différence profonde entre M. Giscard d'Estaing et moi. C'est une différence politique. Et les modérés qui s'apprêtent à rejoindre la bannière de M. Giscard d'Estaing, ils devraient songer, et ils vont songer, au grave péril qui résulterait pour la France, précisément, de cet affrontement et de l'atmosphère d'antagonisme social qui régnerait en France. Vous resterez quand même séparé du Parti Socialiste, qui est dans l'opposition depuis 16 ans. Pas de ses électeurs, Monsieur Suffert, pas de ses électeurs. Ils ne veulent pas du programme commun. Et ils ne veulent pas plus des communistes que moi, pas plus. Vous savez, les agriculteurs, les travailleurs, les artisans qui votent socialistes, ils ne veulent pas qu'on touche à la propriété privée. Ils ne veulent pas qu'on supprime leur liberté. Mais ils veulent le changement. Mais le changement, je le leur apporte. Et je l'ai prouvé pendant 3 ans comme Premier ministre, où j'ai fait une série de réformes d'une importance telle qu'on n'avait pas vu ça depuis 1945, depuis 1936. Et précisément, ce que je me dispose à faire, c'est de recommencer la tâche là où elle a été interrompue. Et je continuerai à le prouver, ne serait-ce que par le choix des hommes que j'appellerai autour de moi. Vous savez que beaucoup de gens s'interrogent sur vous. Vous parlez du gaullisme, mais le général de Gaulle est mort, il n'appartient plus à personne. D'où tirez-vous l'espèce de légitimité que vous avez l'air d'avoir? Et je vous concède que M. Malraux vous a donné un morceau de la Sainte-Croix. Légitimité, tous racontent leur vie. Moi, je ne vous raconterai pas la mienne. Simplement, je vous dirai ceci. En décembre 1940, répondant à l'appel du général de Gaulle du 18 juin, je suis entré dans l'action secrète. Et à ce moment-là, comme tous les garçons à l'époque, ce n'était certainement pas à ma carrière que je pensais, mais c'était bien à la patrie. Et pendant 3 ans et demi, je suis resté dans l'action secrète. Et quand il fallait aller à Londres et revenir à Paris, il n'y avait pas de ligne régulière. Enfin. Eh bien, c'était déjà le combat pour l'indépendance nationale. Mais c'était aussi le combat pour la justice sociale. Eh bien, ce combat continue, et je suis là précisément pour le continuer. Je ne poserai pas 25 questions sur votre programme. Les Français, un petit peu ahuris, constatent d'ailleurs ces jours-ci que tous les programmes des candidats se ressemblent. Ça les inquiète un peu parce que dans ces cas-là, ils flairent un piège. Je voudrais simplement que vous expliquiez ce que vous entendez par garantie annuelle de ressources. Parce que l'impression que ça donne, c'est d'être une promesse électorale, parce que ça paraît extraordinairement coûteux, ou bien, si ça tient debout, c'est quand même quelque chose de tout à fait considérable. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer si ça, c'est possible? Monsieur Suffert, il ne s'agit pas de promesses en l'air. Tout cela a été calculé. D'ailleurs, je ne le crie pas sur les toits, mais moi aussi, je suis inspecteur des finances et je sais les chiffres. Ce que je sais, c'est que la tare de notre société, ce sont les inégalités. C'est l'insécurité pour un grand nombre. D'où par conséquent que chacun se déclare contre les inégalités, pour la sécurité,
Ce qui est facile à dire, c'est plus difficile à faire. D'où cette garantie annuelle de ressources. Ça signifie quoi? Ça signifie que chacun, chacune, dont les ressources seront fléchies, parce qu'on aura perdu l'emploi, on aura été malade, ou alors, pire, on aura perdu un proche. Lorsque les ressources seront tombées en dessous de ce garantie, cette garantie annuelle de ressources, eh bien, l'État fera la différence. Valeur actuelle, ça ferait 1500 francs par mois pour un couple et un enfant. Alors, c'est la sécurité garantie. C'est ça la nouvelle société, au fond, une espèce de super sécurité sociale. Oh, c'est ça aussi, mais ce n'est pas que cela. On oublie un peu vite que le monde est entré dans une crise qui va durer, avec ses difficultés. Cette crise nous atteint. Et naturellement, comme toutes les crises, elle atteint d'abord les petits, les artisans, les retraités, les petits patrons. Certes, la France est devenue une nation industrielle. On a fait ce qu'il fallait pour ça. Heureusement. Mais heureusement aussi, elle reste un pays dans lequel le plus grand nombre sont des petites entreprises, des commerces. Et c'est heureux, parce que c'est le meilleur tissu économique. Et puis en plus, et c'est essentiel, cela donne la dimension humaine et à l'économie et à la société. Eh bien, savez-vous qu'il y a eu 3 700 faillites au cours des deux derniers mois? Et pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on a fait face trop tard au dérapage des prix, à la hausse des prix. Et que quand on fait face trop tard, alors, on est brutal, on freine trop dur. Et alors, on a bloqué les crédits d'une manière administrative, uniforme. D'où le résultat. Eh bien, dans la nouvelle société, ça ne se passe pas comme ça. On s'informe, on informe, on dialogue, on affine les mesures en accord avec les intéressés. Et de cette manière, les choses vont très différemment. En réalité, il faut éviter deux choses. L'arbitraire technocratique et l'affrontement des groupes sociaux. Et précisément la concertation, ma méthode, eh bien, elle est aussi importante sur le plan de la morale que sur le plan de l'efficacité. Je ne vous poserai qu'une question concernant la politique étrangère. Tout le monde se déclare aujourd'hui pour une Europe unie et indépendante. Il y a 24 ans, que tout le monde est d'accord là-dessus, mais l'Europe est toujours une nébuleuse. Et en réalité, la situation est un peu plus confuse que tout le monde ne le laisse entendre. Les Anglais ont la moitié de leur cœur en Europe et les trois quarts, si je puis dire, de l'autre côté. Les Allemands, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent. Les Américains, on sait très bien ce qu'ils veulent. Monsieur Pompidou a buté sur ce problème, formidablement difficile. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour franchir l'obstacle? Oui, vous posez bien la question. En effet, il y a longtemps qu'on y pense, il y a longtemps qu'on y croit, et ça n'avance pas assez vite, c'est vrai. Mais la chose essentielle, c'est que pour l'Europe, c'est comme pour la France, et pour la France, c'est comme pour l'Europe. Sans indépendance véritable, la France et l'Europe ne sont plus des éléments essentiels de la politique internationale. Ils ne sont plus des éléments de construction de la paix entre les superpuissances. Non, elles deviennent de simples enjeux. Monsieur Michel Jobert a poursuivi sa tâche
Et nous sommes en plein accord, comme il vient de le dire. Et là, c'est l'ancien Premier ministre, et c'est le militant européen qui parle. Ma première tâche consistera à prendre les contacts avec chacun de nos partenaires, et en confiance, pour déterminer précisément les conditions d'une nouvelle étape pour la construction européenne. Parce que la construction européenne est de l'Europe européenne, comme disait le général de Gaulle, c'est-à-dire indépendante. Eh bien, elle est plus que jamais indispensable. La question que des millions de Français vont se poser pendant quelques jours, c'est de savoir s'ils doivent voter pour vous ou pour M. Giscard d'Estaing au premier tour. Est-ce que vous croyez que vous pouvez gagner ? Monsieur Schuffer, non seulement je crois que je peux gagner, mais je suis certain qu'il faut que je gagne. Et là, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la France et des Français. Et vous posez bien la question, en effet. Et c'est à chacun d'y répondre, en son âme et conscience. Quelle est la question ? Savoir si la France va se diviser en deux camps, en deux esprits, en deux manières de voir le monde, et sans communication entre ces deux camps, prêt par conséquent à l'affrontement final. Voilà la question. Je ne vous ferai pas d'appel, mais ce que je vous demande, c'est, dans le calme, de réfléchir à ce problème auquel vous n'aviez peut-être pas encore songé. Oui, je vous le demande. Parce que c'est vous qui allez trancher. Et votre décision commandera le destin de la France. Alors, je vous le demande, réfléchissez dans le silence de toute votre raison et aussi de tout votre cœur.